Alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui, expérience, mais pas expérience aussi. On va plutôt faire des défis. Alors il y a deux défis, dont un que je sais pas très bien citer. Bon, je vais essayer, mais c'est de l'anglais, alors ça est chaud. My Strength is No Law. Alors il fait défi, faire un fumigène avec trois bouteilles attachées ensemble. Donc on va les attacher ensemble avec du scotch qu'on va remplir avec de l'alu, puis on mettra de la lessive de soude. Alors c'est pareil que de l'acide chlorhydrique, ils sont tous les deux à 1,30, un truc comme ça. Après, il y a un autre petit défi, messieurs, je vais l'arranger un petit peu à ma sauce, de Valentin Berland. Il m'a dit trop bien, alors c'est pour les bombes ce coup-ci, mais ça ferait mal aux oreilles avec une bouteille de 5 litres. Et ben en fait, non, pas du tout, mais je vais te le prouver quand même. Bon, j'ai pas une bouteille de 5 litres, j'en ai une juste de 2 litres 5. C'est la moitié, hein. Mais vous allez voir, ça fera pas autant de bruit. Donc on va se rejoindre là-bas et on va faire péter tout. Allez, à plus. Donc nous revoici dans la jungle. Oui, bon, c'est une petite intro pour dire qu'on va commencer. Alors, pour ceux qui se souviennent plus comment on peut faire, on prend de l'alu et on le met dans les bouteilles. Alors on en a trois, après on va les scotcher parce que bah, c'est le défi du mec là, je sais plus comment il s'appelle. Je mettrai son nom dans la description et dans ma vidéo d'ailleurs. Donc on se fait agresser par les moustiques, alors on va couper la vidéo et on va se dépêcher à faire ça. Donc là j'ai attaché les trois bouteilles, alors je sais pas si vous les voyez bien. Elles sont ensemble, il y a déjà l'alu dedans. On va mettre de la lessive de soude, c'est pareil que l'acide chlorhydrique, hein, donc si vous en trouvez, c'est dans les supermarchés, dans le rayon comburant. Donc je vais en mettre, on va pas me voir le mettre, mais je vais en mettre. Et après, c'est ce moment-là que je vais essayer de vous faire un slow motion. Bon, après, on va voir si j'ai le temps, sinon ce sera normal. Allez, à plus! Je finis. Tiens! Eh merde, j'en ai sur moi. Tu montes, t'as pas de coupure? Non. Voilà, comme ça. Tu sais, vu que t'as fait comme ça, c'est bon pour le montage après. Donc voilà, premier défi réussi. Donc ça c'est pas si impressionnant que ça. Je ne sais pas. Oh putain, ça pue. Ouais, par contre, la lessive de soude, ça pue plus, hein. Mais c'est moins toxique, il me semble.
Mais parce que les autres sont vraiment toxiques. Ah oui, arrêtez de me dire que c'est toxique et dangereux. On le sait, on a l'habitude maintenant. Donc vous avez vu, hein, les bouteilles de 1 litre, maintenant on dirait des 50 centilitres quand elles ont diminué. C'était plutôt drôle. On va passer maintenant à l'autre défi. Alors pour vous rappeler l'autre défi, parce que ça fait une minute à peu près, on va essayer de faire péter un truc de 2,5 litres pour vous voir que c'est pas aussi, c'est pas super fort par rapport à quantité. Un litre, ça fait haut, ça peut voir même faire plus de bruit que 5 litres ou 2,5 litres. Donc à la prochaine. Donc alors on va aussi pour le deuxième défi. Donc on a pris un truc de 2,5 litres, on a mis de l'alu de genre dedans. Et on va bien serrer le bouchon. On va essayer aussi de vous faire un slow motion. S'il y en a toujours pas, c'est quand on a toujours pas eu le temps en fait. Et vous allez voir, ça fait pas un max de bruit non plus, c'est pas affolant. Donc on va tester ça maintenant. C'est pas grave, donc vous avez vu, c'est extraordinaire, ça a pas pété. Par contre, on a découvert le moyen de faire une petite fusée plutôt drôle. Donc, mais ça, si on arrive à faire les ralentis, ça a pété à mort. Pas dans le sens logique du terme, mais ouais, c'était vraiment pas mal. Donc, en plus, ça sent meilleur parce que ça sent la fraîcheur, comme il est marqué sur la bouteille, parce que ça pue quand même. Donc voilà, c'est tout. Si vous avez d'autres défis comme ça, dites-le nous, on sent un grand plaisir à chaque fois de les faire. Si vous avez aimé, laissez un pouce vert, ouais, tout simplement. Commentez, c'est-à-dire, et à la prochaine.